Ceci est une histoire de Tommy Unger, Trémolo. Trémolo était musicien dans l'âme. Il jouait de ses instruments jour et nuit. Mais ce qui était de la musique à ses oreilles était du bruit pour ses voisins. Un jour, à minuit, Madame Abra Cadabra, la voyante extra-lucide du dessus, fit irruption chez lui. Infernal Castimpan! Les ultra-ondes de ton tapage ont fait éclater ma poule de cristal. J'en ai perdu l'avenir. Sois maudit, trois fois maudit. Et l'ayant foudroyée de son mauvais œil, elle disparut. Le lendemain matin, Trémolo se mit à jouer du tuba. Sa musique sonnait de plus en plus sourde et étouffée. Le tuba se remplissait de notes grosses, noires, comme des olives. Il en fut de même avec les autres instruments. Cet après-midi-là, Trémolo devait jouer à un enterrement. Quand il quitta son appartement, il pataugeait dans les notes jusqu'aux genoux. Ce fut une catastrophe. Le cortège funèbre dérapait, glissait, trébuchait sur les petites boules noires et finit sur les pavés. Trémolo s'enfuit sous les injures. La concierge l'attendait sur son palier. « Oust ! Dehors ! » rugit-elle. « Et fais ça, illico ! D'abord, le boucan, et maintenant toute cette saleté !» Ainsi chassé, le musicien ramassa toutes ses affaires et les chargea dans son vieux taco et se mit en route vers une cabane isolée héritée de sa grand-mère. Là, tout seul, perché dans la montagne, il pouvait enfin faire de la musique. Il se mit à jouer en pleine nature. Éberlués, émerveillés, charmés, les animaux sortirent de leur cachette et commencèrent à grignoter les notes de sa musique. Le soir même, après son dîner, Trémolo décida de goûter les notes lui aussi. Si ça plaît aux animaux, ça pourrait me plaire. Et que oui, les notes étaient succulentes et de goût très varié, aussi varié que la musique qu'il jouait. La semaine suivante, il s'installa sur le marché de la ville. Ses notes savoureuses eurent un succès immédiat. Tout excité, Trémolo se mit à l'œuvre. Il apprit à jouer sans boucher ses instruments et il recueillait et triait les notes. Puis il se lança dans différentes expériences. Il mijotait et touillait, mixait et distillait, mélangeait et goûtait. Les airs d'amour fondaient sur la langue, les marches vous donnaient de l'énergie et les berceuses vous plongeaient dans la somnolence. Lorsqu'il découvrit que sa musique enregistrée sur bande magnétique faisait jaillir des notes des haut-parleurs, il décida de se lancer dans la production industrielle. Trémolo devint célèbre et fut invité au show télévisé du fameux Pivot Méli-Mélo. Son passage à la télévision provoqua un cataclysme inimaginable. Les téléviseurs de tout le pays avalèrent des notes de travers et explosèrent, déversant une glu à nauséabonde qui puait le vomi calciné. Le studio ressemblait à un cloaque. Désemparé, Trémolo s'en alla. Et alors, plus de télé. La vie reprit son cours, paisible comme jadis. On racontait des histoires, on lisait des livres, on jouait en famille, on faisait de la musique. Le soir, les gens se réunissaient joyeusement. La violence n'était plus à la mode. On put voir devant les commissariats de police de longues files d'attente de voleurs, de kidnappeurs et de malfaiteurs en tout genre qui, contrits, venaient rendre leurs butins et leurs armes. Mais un jour, sans s'être fait annoncer, Madame Abracadabra débarqua dans le bureau de Trémolo. « Espèce de tordu ! Ta porte, tu me casses ma poule de cristal et maintenant tu exploses mon poste de téléfiction. Ce n'est pas pour être ton porte-poneur que je suis ton porte-poisse. Je te retire ma malédiction. Hoc, volo, sic, jubeo !» Plus de sortilèges, plus de production, mais Trémolo s'en moquait. Il vendit l'usine et se fit construire une somptueuse salle de concert en se disant « La musique, en fin de compte, c'est quand même mieux dans les oreilles que dans l'estomac. »